à tous, bienvenue aujourd'hui à proximité du stade de la Beaujoire. Une fois n'est pas coutume comme d'hab, on est un peu serré sur le temps. Je pense qu'on va arriver genre allez, 5-10 minutes en avance en espérant pouvoir suivre l'entrée. Mais aujourd'hui, depuis que j'avais visionné, là, je vous l'avais dit pour Rodez TFC que honnêtement j'y croyais pas que si jamais ça allait à Nantes, qu'il y aurait moyen que j'aie une place, mais j'ai réussi à le faire. Et là honnêtement, la première chose que je me suis dit quand j'ai su que Nantes allait jouer à domicile, je me dis putain, si j'arrive à voir ça, parce que la Brigade Loire ça va être un truc de ouf. J'avais déjà vu un peu à la télé ce que ça avait donné contre la Juventus. Bon, ils se sont pris 3-0, mais j'ai vraiment envie de les voir sur un gros match en jeu. Bon, il y avait déjà eu un Nantes-Bordeaux qui a été pas mal. Bon, on entraîne, mais le truc, c'est que la Loire était fermée. Là, honnêtement, je m'attends à une grosse ambiance avec un gros parcage lyonnais aussi qui sera présent. Ça promet. Bah, les enjeux sportivement maintenant, c'est concrètement, le Lyon joue sa saison sur ce match. Soit il gagne et derrière il gagne la finale de Coupe de France et il va en Europa League et il gagne un premier trophée depuis 11 ans maintenant, et dans ce cas ils auront sauvé leur saison. Mais sinon c'est quasiment sûr qu'ils n'auront pas l'Europe par le championnat. Pour ce qui est du FC Nantes, bah, la saison pour l'instant ils sont dans les clous. Le maintien pour l'instant, bon, ils sont encore sous la menace, mais ils ont 30 points, donc ils ont une petite marge. Et s'il fallait faire le doublé Coupe de France, parce que bon, il y avait déjà eu l'année dernière, ce serait qu'un plus. Donc il y a tout à gagner pour Nantes. Donc voilà, je vais pas faire une intro de 15 ans comme d'habitude, mais comme d'hab, on s'abonne, on like. Et c'est parti pour, je l'espère, une grosse ambiance et un gros match de demi-finale de Coupe de France, Nantes-Lyon. Thank you.
voilà, dans une Beaujoire en délire. Le FC Nantes se qualifie pour la finale. Et ouais, ils sont en finale. Direction le Stade de France pour la deuxième fois d'affilée. Ils ont dominé le match. Complètement mérité à 100%. Les Lyonnais ont complètement, sont complètement passés à côté alors qu'ils avaient battu Paris. Ils ont fait n'importe quoi, se sont réveillés seulement sur la fin. Et voilà, au final c'est mérité. C'est ce soir, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc le FC Nantes part au Stade de France pour tenter ce doublé incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, ça sera. C'était une soirée énorme. Ah ouais, cette fois-ci, j'oublie pas de le dire, mais la prestation de la Brigade Noire ce soir, c'était d'une autre planète. J'attends toute chose, c'est de me mettre à ce montage parce que c'est une dinguerie ce qu'ils nous ont fait ce soir. Et honnêtement, j'ai kiffé total, un kiff total. Allez, 9,5 sur 10, je peux pas dire 10 parce que la perfection il n'y a pas, mais c'était un truc de fou. Et honnêtement, ils ont un total respect de ma part. Bon, c'était déjà le cas parce que j'étais déjà venu, mais là c'était encore un autre niveau dessus. Bon, allez, on se dit à très bientôt, on s'abonne, on like, ciao.